Dans cette partie, on va développer la fenêtre pop-up ou bien la modale pour la correction du stock. Donc, dans notre composant détail invité SDK, on va ajouter une modale comme ça. Donc, sur le site Bootstrap, il suffit de chercher modale et vous allez trouver la page. Comme ça, vous pouvez choisir la fenêtre ou bien la modale qui vous convient. Donc, on va prendre celle-là, qui contient déjà un formulaire. Et je vais coller ce code à la fin. Et il suffit d'ajouter ça à ce bouton-là. Donc, là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On voit très bien que j'ai déjà une modale qui s'affiche. Donc là maintenant, on va l'adapter. Ici, au lieu de new message, ça sera correction de stock. Ici, on doit avoir une quantité et le type. Donc ici, je vais mettre juste un placeholder avec quantité. Et ici, ça sera un select avec option. Nous avons correction positive ou bien correction négative. Et une correction négative. Là, c'est annulé. Là, c'est enregistré comme c'est mentionné ici. Donc pour les icônes, on va prendre cette icône-là. Et pour le save, ça sera cette icône-là. Et comme ça, bon, ça, je vais juste le modifier en Danger. Et le Select, il nous manque cette classe. Et là, tout est bon. Correction positive, correction négative. Et je peux enregistrer ou bien annuler. Donc comme ça, en fait, nous avons notre modal.